profondeur. Mais qu'est-ce la profondeur? Eh, c'est le sujet du jour, les amis. Vous aimez les dissertations? Mais qu'est-ce que c'est? Des rodés. On dit les surdoués, mais en fait, non, c'est des sourdés. Bah oui, c'est qu'ils ont pratiqué. Et puis un jour, ils prennent le violon, Bah oui, voilà. Ah, il y en a d'autres qui sont pas encore à ce stade-là, hein, ils n'ont pas assez pratiqué. Ah, ça fait ribopette. Bah oui, mais il faut être honnête, les chéris d'amour. Bah oui, il faut être honnête avec soi-même et avec les autres. Ça, donc pratiquons, mais d'une bonne manière, hein, parce que pratiquer, mais n'importe comment, ça sert à quoi? Expliquez-moi, à quoi ça sert? À rien du tout. Bah non, si on fait la même connerie en boucle, on fait quoi? Bah on n'avance pas, rien du tout. Alors, ben oui, alors avec un petit peu de réflexion et beaucoup de pratique, on peut faire grande chose. Bon, alors, comment on va procéder là, par exemple? Voilà, j'ai réussi tant bien que mal à accorder le violon. Voilà, je tends un petit peu. Alors ça dépend des archets. Hein. Des fois, faut pas trop, des fois, faut beaucoup. Voilà, bon, ça, on va pas faire un débat maintenant. Voilà, comment ce corps physique fonctionne? Bah oui, parce que ça aussi, hein. Alors, on prend le violon et ta-ta-ta-ta-ta. Mais non, en fait, on est des humains, les chouchous. Qui dit humain, dit plein de plans. Ah bah oui, il y a plein de plans à prendre en compte. Ah mais non, mais c'est pas le plan A, B, C, D, non, ça, c'est pas ça. Non, c'est les plans énergétiques. Eh bah oui, on a des plans énergétiques. Mais qu'est-ce qu'elle raconte encore celle-là? Oh, elle nous casse les bonbons avec l'énergie. Eh bah oui. Bah, si vous croyez cartésien et tout ça, à la base, c'est de l'énergie. Alors, pouette, pouette. Voilà, voilà. Donc, du coup, quand on commence... Ça serait bien de prendre en considération le petit physique, comment il est. Ah bah oui. Bah ça, c'est intéressant. Non, jamais. On n'a pas le temps pour ça. On n'est pas des robots, les chéris. Alors, on prend le temps. On le prend le temps d'être soi-même. Bah oui. On ne fait pas les choses en force. Oui, ça peut donner du résultat, la force. Ah oui, ça donne du résultat jusqu'à la casse. Et voilà. Et la casse dans le domaine de la musique, c'est dégoûter les élèves. Ouais, génial! Des super élèves de tout horizon, hein? Parce qu'il n'y a pas d'élite. Tout le monde est un potentiel. Voilà, ça c'est intéressant de le dire quand même, que tout le monde est un potentiel. Oui, hein? Alors ceux qui disent « la musique est accessible dans mon école », ouais, poète, poète, hein? Tant qu'il y a de l'argent en jeu, c'est pas accessible, ok? Donc, du coup, bon. Alors, comment on prend en considération ce petit corps physique, la respiration? Bon, ça, c'est vrai que très souvent, c'est dit, mais dans les masterclass, alors les élèves ont le temps de bien souffrir avant de parler de respiration? C'est couillon quand même! Non, mais faut le dire! Oh là là! La respiration, hein? On attend l'interprétation pour parler de respiration. Non, mais quand même, ça serait intéressant de parler de ça, de la respiration à partir des bases, non? Bah oui, c'est important de respirer à partir du moment où on apprend quand même. Comment on fait sinon? Voilà, c'est important. Sentir bien dans son corps, hein? Non, faire les choses en force, hein?
En mode piquet, là. Ouais, génial. Oh, qu'est-ce qu'on est heureux. Mais non, hein, le but de la musique, c'est quand même... Bah, c'est le fun, quoi. On a quand même envie d'un minimum de rigolade, même si c'est de la discipline, attention. Je dis pas le contraire, la discipline, la rigueur, la persévérance, on est d'accord. La patience, tout ça, ok. Mais avec un minimum de souplesse et de bonheur, quoi, quand même. Si on rentre et qu'on sort et qu'on est dégoûté, ouah, génial la musique. Super, ouah, on est trop content. Oui, ça sert à quoi dans ces cas-là? Bon, voilà. Ah, bah, c'est bien, ça sortait du cœur, hein. Ah, je me suis découverte moi-même. Ah, voilà. Merci, hein, grazie mille, voilà. Comme ça, on a tous un apprentissage, vous et moi. Oh, c'est formidable. Ça alors, c'est incroyable. On est à égalité. Oh, bah, ça alors. Mais ça aussi, c'est un exploit, faut le dire. Être à égalité, vous et moi. Non, mais c'est extraordinaire quand même. C'est génial. Eh ben oui. Alors, petit rappel, on est tous porteurs de connaissances et tous porteurs de conneries. Bah oui, ça arrive. Alors, il y a différents stades de conneries. Voilà. Bon. Bon, sur ce, je vais pas faire la morale trop longtemps, on va essayer de faire quelque chose. Hein. Bon. Ah, comment je me sens, moi, dans mon corps? Oh là là, ça fait du bien, là. Punaise, que c'est bon de s'étirer, là. Ah, j'adore. Oui, oh, bah oui, c'est le morceau le plus connu, alors forcément que je le fais. Ah, c'est le truc qui sort tout le temps. Même dans la rue et tout, quand les gens sont contents, ils vont ah, c'est génial. Donc ça prouve quand même que juste cette petite phrase, ça rend les gens au taquet. Utilisez cette phrase là dans vos cours de musique, ça va faire du bien, les élèves vont être au taquet. Bah oui, hein, faut observer, hein, parce que la musique, vous croyez que c'est quoi? De l'observation. Mais utiliser ce qu'il y a dans le quotidien. Mais ah, les plus grands compositeurs faisaient ça déjà. Et vous croyez que les plus beaux morceaux là, hein? Oui, qui sont répétés depuis je sais pas combien de temps. Alors là, par contre, je vais pas faire la chronologie, hein, mais depuis Belle Lurette, les mêmes morceaux qui tournent en boucle, etc., et qu'on les aime toujours, bah, c'est parce qu'ils ont observé la nature. Ah bah oui, mais faut le dire. Donc l'observation, ça c'est très 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 important. Et donc forcément, j'ai observé que très souvent dans la rue, peu importe où je me trouvais, en plus ça c'est très très drôle, drôle quand même, peu importe où je me trouvais en France, je précise quand même, eh bah il y a toujours I believe I can fly qui sortait à un moment donné. Non mais c'est quand même extraordinaire. Je me dis c'est quand même génial. Peu importe où je me trouve dans la rue, il y a quelqu'un qui est heureux et qui dit cette phrase. Non mais c'est génial. Donc voilà, faut l'utiliser en musique, hein. Comme ça, quand vous avez un élève qui est un peu déconcerté, voilà, parce que là, il est trop dans la force, on dit stop, respire. I believe I can fly. Et voilà, et c'est reparti. C'est vrai. Ah bah essayez, vous verrez. Hein. Voilà. Bon, comment je me sens moi dans ce petit corps? Bah ouais, parce que depuis tout à l'heure, ça a peut-être changé. Ah, bah ça alors, on n'est pas des robots, ça peut changer d'une seconde à l'autre. On est bien et puis d'un coup, devient tout raide. On est concentré et puis d'un coup, oh bah y a plus. Mais oui, mais normal, hein. C'est absolument normal, hein. Toutes les conneries qu'on peut nous bassiner là, mettre dans nos cerveaux. Il faut faire non, en fait, c'est normal. Eh bien oui, on a tous des émotions, on a tout qui varie. Tu peux être au taquet un jour et le lendemain faire quelque chose de pourri. C'est normal, chérie. C'est absolument normal. Ok? Voilà, donc on se calme, on se détend, tout va bien. C'est ça le processus. Et même les grands maîtres, les vrais maîtres, attention, les grands maîtres, les vrais maîtres, continuent de pratiquer les bases. Pourquoi, à votre avis? Eh bien parce qu'ils ont pris en considération qu'on est des êtres humains, de vrais humains. Je ne vous parle pas de ceux qui veulent copier les robots. Non, les vrais humains qui prennent en considération leurs émotions, leur respiration, tous leurs plans. Voilà. Parce qu'on parle toujours du corps physique et encore c'est ce qu'on voit. Parce que le corps physique réserve bien des surprises. Et ça, les scientifiques ne peuvent pas tout dire là-dessus. Hein? Alors voilà.
fini. Voilà, voilà. Bon, vous avez bien vu que là, je fais la guignole, hein. Un vrai étirement, je fais quand même, bon, voilà, avec délicatesse, douceur, hein. Tu respires en même temps, comme au yoga. Ah, mais le yoga, hein, il y a tellement de méthodes de yoga. Yoga veut dire union. Voilà. Et il y a plein de sortes. Plein de méthodes de yoga. Voilà. Qui peuvent vous faire considérer ce qu'est le yoga. Hein. C'est différentes approches. Ça ne se ressemble pas, pourtant c'est du yoga. Pourquoi il y a plein de méthodes? Parce qu'il y a différentes approches. Et qu'elles sont toutes bien, toutes bonnes. Il faut juste trouver celle qui correspond. Et quand on a trouvé une qui correspond, ça n'empêche pas d'aller voir une autre façon de voir le yoga. Et ça, pourquoi je parle de ça? Parce que ça, c'est plutôt intéressant au niveau de la musique. Yoga, musique, respiration, corps, musique, instrument, voilà. Parce qu'en fait, l'instrument fait un petit peu partie de vous quand même. Oui, ça fait partie de vous. Même si c'est votre premier cours, votre tout premier cours, vous n'avez jamais touché un instrument et vous le touchez pour la première fois, ça fait partie de vous, un petit peu. Parce que si vous aimez la musique, c'est pas pour rien. Si vous voulez essayer la musique, c'est pas pour rien, c'est que quelque part ça vibre avec vous. Oh, mais ça c'est génial! Mais en voilà une nouvelle! L'instrument vibre avec vous. Et selon votre humeur, votre instrument peut changer. Oui, selon votre humeur, l'instrument peut changer. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Alors là, j'ai jamais entendu une connerie pareille, hein? Oui, en effet, c'est peut-être une connerie, mais qui est très concrète. Donc, cette connerie concrète, je peux l'affirmer tout court. Je peux dire que je peux l'affirmer, voilà. Donc, je vous le dis, je l'affirme. Ah, c'est génial le français. Je fais des efforts, hein. C'est de mieux en mieux mon expression, non? Non, c'est pas toujours compréhensible. Oh, flûte, je vais faire de mon mieux. Voilà. Tout à fait. Donc, voilà. Mais on kiffe. Ah, je kiffe. Bon, alors là, je précise, quand je fais ça, je le tire bien en main. Hein. Faut pas lâcher. Non, parce que là, ça serait vraiment pas sage. Alors, voilà, donc ça c'est bien. Bon, l'idéal quand on fait ça, on n'a pas l'instrument dans la main, ou dans les mains. Vaut mieux le poser. Voilà, voilà, c'est à la caméra, je fais un peu la guignole. Mais quand il n'y a pas la caméra, je pose. Voilà, là, j'ai juste fait, c'est ça le discernement aussi. Hein. Je préfère préciser parce que les gens ne discernent pas toujours, hein. Alors, ah oui, je précise aussi, hein, il y a une caméra, mais je suis une vraie personne, hein, voilà. Non, mais on ne sait jamais, hein, dans le monde de fous où on est, vaut mieux préciser, hein. Alors, bon. Donc, la position, super. Là, par exemple, je sens une super raideur. Ah, mais punaise, elle commence pas son morceau! Ben oui, c'est de la patience en fait. On n'a pas besoin toujours d'être au taquet sur les starting blocks là. Ouais, attention, le départ! Ben non. En fait, là, je respire, j'ai senti une tension et je vais pas faire en force parce que qui dit tension dit un moment le grand fracas. Le grand fracas, ça peut aller jusqu'à l'hôpital, hein. Bah ben, oui, et moi, j'ai pas envie en fait. Alors, on se détend, hein? On fait les choses tranquillou, avec douceur, on respire. Oh, j'ai senti une tension, j'ai la sagesse de lâcher. Ok? Discernement. Bien sûr que des fois, quand vous êtes dans des exercices techniques ou vous faites du rodage et tout ça, vous n'allez pas vous arrêter à chaque raideur, forcément. Mais le but, c'est de prendre l'habitude.
l'habitude d'écouter son corps et que selon les raideurs, avoir la sagesse de lâcher. Voilà. Yeah. Donc, ce qui implique la connaissance de soi. Quand on est à l'écoute de son corps physique, on se rend compte qu'il y a différentes sortes de raideurs. Mais ça alors, on finit par acquérir une façon de ressentir les choses assez subtiles, de plus en plus subtiles au fur et à mesure de la pratique. Et on finit par reconnaître, se dire « Ah là, ce serait peut-être utile de lâcher. Ah là, bon, je peux peut-être pousser un petit peu. » Alors on essaye tout doucement pour voir où ça en est, tranquillement. Voilà, bon, je peux pousser un petit peu plus. Un peu plus, un peu plus. Oh là, on lâche. Voilà. Mais ça, c'est avec la pratique et la connaissance de soi. L'honnêteté aussi, parce que la connaissance de soi sans honnêteté, il n'y a pas. Je fais dans le bon sens, s'il n'y a pas d'honnêteté, il n'y a pas de connaissance de soi. Voilà. Voilà. Donc, l'honnêteté. Ça alors? Alors, heureusement qu'on était censé parler de musique. Hein. Bah oui, vous avez vu un peu tout ce qu'on peut prendre en considération, rien que pour la musique. Ça alors, c'est extraordinaire. Prendre en compte le corps physique, prendre en compte qu'on est humain, prendre en compte peut-être des manières de voir différentes. Oh là là, beaucoup de choses. Oh là 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 là, ah oui, on a parlé de la connaissance de soi. Voilà, avec la pratique, l'honnêteté. Pas de connaissance de soi si on n'est pas honnête avec soi-même et les autres. Ça sert à quoi de faire les hypocrites, de mettre des masques? Ça sert à rien, on n'avance pas comme ça. Alors peut-être que ça marche. Pendant un petit temps, des fois pendant longtemps pour certains. Hein. Il y en a qui sont très forts, faut dire. Il y en a qui sont très balèzes avec leur masque. Hein. Non, mais voilà, il y en a qui sont balèzes, il y a tout. C'est très divers en fait. Il y a tous les domaines. Il y en a qui sont au taquet au niveau des masques. Voilà, donc ça marche pendant des années pour eux, jusqu'au moment où la dégringolade. Oh, il y a une dégringolade. On se demande pourquoi. Bah parce que les masques tombent. Ça ne peut pas durer une éternité non plus. Ben non. Oh. Et ça, pourquoi vous croyez que ça peut durer une éternité de porter des masques? Parce que vous êtes orgueilleux. Parce que vous croyez les rois du monde et vous vous croyez au-dessus de tout. Ben, en réalité, on est au-dessus de rien du tout. Voilà. Bah oui, mais c'est bon de le rappeler quand même. Ça fait du bien de se rappeler ça. On n'est pas au-dessus de tout. Ah, ça fait du bien d'entendre ça, là. Je le redis. On n'est pas au-dessus de tout. Mais ça, c'est extraordinaire. Et même quand on a une connaissance, on n'est toujours pas au-dessus de tout. Ça, alors. Et même lorsqu'on est prof et qu'on a des élèves, on n'est toujours pas au-dessus de tout. Non mais ça alors, c'est extraordinaire. Ah, ça fait du bien. Ah, ça fait du bien. Et en plus, comme on prend conscience qu'on n'est pas au-dessus de tout, on respecte l'élève. Oh bah ça alors. Ça alors, le respect. On l'avait pas encore dit ça. Le respect. Ça perd l'hypopète. Qu'est-ce que c'est que ça? Travail là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors déjà, je fais un petit truc, le mot travail. Alors là, j'ai plus exactement d'où ça vient, mais en tout cas, vous pouvez faire votre petite recherche. Le mot travail vient dans certains termes, que je sais plus de mémoire là, qui veut dire esclave. Voilà. Donc, c'était la petite parenthèse. Et du coup, alors là, on parle de respect, non, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, le respect de soi, prendre en considération tous ses plans, le respect de l'autre, on n'est pas au-dessus de tout, donc même si on apporte, certes, peut-être de très grandes connaissances ou de très grandes choses via l'expérience et tout ça, vous avez peut-être beaucoup d'expérience, voilà, un certain charisme, oui, vous n'êtes toujours pas au-dessus de tout, on est à égalité, ça alors? Oh, dis donc, eh ben oui, on est à égalité, ha ha ha, ou alors,
On est ex-aequo. Non mais, oh, je peux pas entendre ça. Oh, oh, loulou. Eh ben voilà, tu l'as entendu, c'est bête. Tu voulais pas, bah tu l'as eu. Na. Ah là là. Bon. Alors, qu'est-ce que j'ai voulu faire, Indo? Bon, ça va, je l'ai bien pris en considération. Je suis partie en sachant ce que je fais, dis donc. Oh, je suis super contente. Ah là là, c'est important et intéressant de se congratuler. Oh, mais je suis trop contente, dis donc. Parce que d'habitude, je pars tête baissée comme ça sans vraiment savoir ce que je veux faire. Bon, bah là, j'ai pris en considération la première note, le départ. Le départ est plutôt important quand même. Bah oui. Faut quand même partir du bon pied, comme on dit, hein. Alors là... Oh, oui. Il y a eu un semblant de quelque chose. Voilà, là, comment je me sens? Je respire? Ah bah oui, hein, parce que si on respire pas tout le long, c'est embêtant, hein. Prendre en considération pour respirer tout le long. Ah, c'est bien, on peut danser en même temps. Regarde. Ah, c'est trop chouette. Ah, ça y est, j'ai respiré et je continue de respirer. Est-ce que je suis bien détendue là? Voilà. Ah, voilà. Ça sert à rien d'être au taquet tout le temps. On peut s'arrêter comme ça. Parce que là, j'ai vraiment eu envie. Bien sûr, on ne s'arrête pas toujours en plein milieu comme ça. Ce qui n'est pas le milieu, d'ailleurs, c'est le commencement, mais c'est pas grave. Mais bon. Alors. Là, qu'est-ce qui se passe? Je savais plus ce que je faisais, alors je me suis arrêtée. Maintenant. La respiration s'était arrêtée aussi en même temps. Ah, ça, je viens de m'en rendre compte. Donc voilà. Oh, respiration. Ah, oh, dis donc, pourquoi d'un coup j'ai accéléré l'air de rien? Respirons, réfléchissons. Des fois, en fait, réfléchir, c'est juste prendre conscience. Après, ça peut faire son petit truc, son cheminement tranquillement. Ça, c'est avec la répétition. La respiration, la répétition. Beaucoup répéter. Alors, savoir où on recommence. Là, je me dis, quand même, bon. Alors. Ma justesse était au top. Pas tant que ça. Enfin, si, oui et non. Hein, c'était coussi comme ça. Hein. Coussi comme ça. Coussi, coussa. Comme si, comme ça. Et on fait une bonne rigolade. On a le droit de rire. Hein. Eh, c'est pas parce qu'on est sérieux qu'on rigole pas. On a le droit. Hein. Voilà. Ah, ça, c'est intéressant aussi. On peut lier la concentration avec la rigolade. Non, mais ça, franchement, faut le dire. Hein, parce que c'est un scoop. On croit que être sérieux, c'est être tout raide. Mais non! Il faut perdre la face, il faut faire la tronche, t'as le sourire à l'envers. Mais non! En fait, tu peux être concentré et rigoler. Bah, essaye, tu verras. Un jour, tu te diras, ah bah oui, peut-être qu'en fait, c'est ça. Alors, voilà. Et des fois les doigts font des fantaisies tout seuls comme ça, on leur a rien demandé et là ça fait un petit
À un moment donné, je voulais pas, non. Bah oui, là, je suis honnête. Hein. Être honnête, non, je voulais absolument pas. J'y ai même pas réfléchi. Et mon doigt a fait troulou. Bah non. Et ça, c'est normal aussi. Tout à fait normal. Ah là. Parce que quand on est concentré sur d'autres trucs, il y a des tensions et des lâcher-prises à des endroits imprévus. Et oui, on ne maîtrise pas toutes les tensions et tous les lâcher-prises qu'il peut y avoir à l'intérieur de nous. Donc des fois, les doigts font de drôles de trucs. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ou par exemple, vous avez beaucoup. Par exemple, là, il faut que je travaille le ralenti. Ah, ralenti, ça, c'est intéressant. Hein. C'est intéressant pour la musique. Donc, voilà. Oups. Ça a tenu qu'une note, c'est oh là là, mais c'est pas grave, en fait tout va très bien. Ah là là. Alors oui, je disais, quand vous avez beaucoup travaillé un morceau, vos doigts prennent des habitudes. Et à un moment donné, vous changez de partition, et là, vos doigts gardent les habitudes. Ah, et du coup, ça fait n'importe quoi. Ça, c'est normal, en fait. S'en va et on ne regarde plus la partition, on ne sait plus ce qu'on fait. On respire, on se détend. Bon, on a quand même retenu la mesure sur laquelle c'était. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette mesure ? Oh, la justesse était laissée à désirer, mais je continue. Je respire. Voilà, bon. Ça s'appelle faire un point. Voilà, donc on a vu ce qui se passait. L'observation, on en a parlé tout à l'heure, l'observation. Voilà, ça c'est de l'observation aussi. Faire un petit point. Et ça va avec l'honnêteté quand on fait un point. Osez voir ce qui ne va pas. Voir ce qui ne va pas, vous avez le droit en fait. Ça aussi, c'est une idée reçue de croire qu'il faut faire tout bien, ta 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 ta, mais comment on apprend si on fait tout bien? Non, on a le droit aux erreurs. D'ailleurs, c'est très contradictoire, hein,
Pourquoi avoir cette idée reçue? À quoi ça sert que vous ayez un prof alors? Pourquoi avoir un professeur hein, si vous devez faire tout bien? Voilà, lâchez cette idée reçue, vous avez le droit de faire des erreurs. Hein. Vous avez le droit de vous planter même 20 fois, 30 fois, 60 fois, des milliards de fois, vous avez le droit, c'est pas grave. C'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été intégré. Et d'ailleurs, ça peut remettre en question le professeur aussi. Parce qu'on dit toujours l'élève, oui, ça peut venir de l'élève, ça peut venir aussi du professeur. Hein? Parce que des fois, répéter, répéter, rabâcher, oui, répéter. Mais si ça ne correspond pas à la compréhension de l'élève, à quoi ça sert de rabâcher? Essayez de changer peut-être votre façon de dire les choses, ou essayez de changer peut-être la façon de faire, ou de procéder, ou de vous intéresser peut-être un peu plus à l'élève pour savoir ce qui lui donne vraiment envie de faire de la musique. Ah, mais on a comme elle a procédé, nanana, il faut faire comme ci, comme ça. Oui, d'accord, on fait comme ci, comme ça. Oui, bien sûr, il y a des choses qui fonctionnent. Et il y a des choses qui fonctionnent avec beaucoup et qui ne fonctionnent pas avec certains. Bah oui, ça c'est intéressant d'en parler quand même. Et même ceux que vous croyez rentrer dans les cases, peut-être qu'ils se forcent à porter des masques pour vous. Ça aussi c'est intéressant. Combien d'élèves qui se mettent des masques déjà tout petits pour faire plaisir, pour rentrer dans le moule. Parce qu'en fait, les professeurs ne s'intéressent absolument pas à leurs élèves. Et oui, alors l'élève fait de son mieux parce qu'il veut faire plaisir. Waouh ! Et on appelle ça la musique et on dit que c'est universel. Non mais qu'est-ce que c'est que ça ? Waouh, bravo ! On dit que c'est accessible. Ben, j'aimerais bien connaître votre définition de l'accessibilité. Mais c'était un petit peu mieux, alors je continue quand même. On respire, on se détend bien sûr. Ah, je sens des tensions, il est peut-être bon de lâcher. Ah, ah, voilà, on se détend, on est bien. Bien fait le point, qu'on connaît à peu près tous les trucs techniques de la partition. Bon, on fait encore quelques erreurs, mais c'est pas très très grave parce qu'on en a conscience et qu'on sait qu'à un moment donné, on va ne plus faire ces erreurs. On appelle le rodage. Voilà, le rodage, c'est quand on essaye de faire une partition du début jusqu'à la fin, encore et encore, pour que ça soit le plus fluide possible. Au début, ça ne sera pas tout parfait. On n'attend pas d'être parfait pour faire le rodage. On a pris en considération ce qui semble le plus important. Qu'est-ce qui est important quand on fait de la musique, on regarde la partition. On prend en considération tout ce qui est noté sur la partition. On prend en considération si on arrive bien à tous les points de vue techniques, parce qu'on peut très bien arriver à tous les points de vue techniques et puis ne pas réussir toute la partition, parce que ça demande du rodage justement. On peut savoir les choses, les faire bien sur quelques notes,
Et puis, hop, quand il faut faire toute la partition, on n'y arrive plus. C'est pas parce que vous êtes nul, ça n'a rien à voir en fait. C'est juste parce qu'il faut se roder. Donc, faire plusieurs fois la chose, bien sûr, en restant concentré, en essayant de faire mieux à chaque fois. Vous restez conscient quand, et vous observez. Pendant que vous faites la partition, vous vous rendez compte des erreurs que vous faites, vous les entendez. Vu que vous avez la technique, vous savez quelles erreurs vous faites. Voilà. Vous savez, vous êtes conscient quand vous faites une erreur ou pas. Voilà, donc c'est que vous avez les points de technique et vous avez un minimum de connaissance de vous. Voilà. À force de pratiquer la musique, vous savez ce qui est récurrent ou pas, ce qui revient à chaque fois. Voilà. Le nombre de fois où on fait « Ah, ça perd une popette, je refais la même erreur !» Eh ben oui, vous la refaites, ben c'est pas grave. Vous peaufinez, juste en avoir conscience et faire mieux la fois d'après, jusqu'à un moment donné, déclic. Déclic. Alors souvent, le déclic est un peu frustrant parce que vous le faites une fois. Vous avez un moment formidable, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Et vous n'arrivez plus la fois d'après. C'est normal. Mais ce qui est bon à savoir, c'est que si vous avez eu un déclic, c'est que vous êtes capable. Donc si vous êtes capable, vous pouvez avoir un nouveau déclic à un moment donné. Mais ça, ça vient avec la technique plus le lâcher prise. Et ça, on ne contrôle pas. Non, ça ne vient jamais avec le contrôle, ça. Ça vient avec la maîtrise. Et la maîtrise, c'est avec la pratique et le rodage. Alors, j'ai quand même le droit de respirer. Donc là, j'ai fait du début jusqu'à la fin. J'ai le droit de lâcher un peu, de respirer. J'ai noté dans ma tête ce qui se passait. J'ai repéré. Et si je n'ai pas tout bien repéré, eh ben, j'essaye de mieux repérer la fois d'après. Parce que des fois, on entend qu'il s'est passé quelque chose ou on a cru percevoir qu'il se passait un truc pas normal, entre guillemets. Et puis, mais on ne sait pas quoi, on n'a pas bien visualisé. Donc, c'est pas grave, on en a conscience et on essaye de percevoir mieux la fois d'après. Voilà. Alors. J'accélérais à certains endroits là, je sais sur quelle mesure à peu près. Alors quand on fait les rodages, on peut essayer de faire mieux au niveau de la vitesse, parce que le rodage c'est ça, c'est fluidifier et selon les morceaux faire de plus en plus rapidement. Et ce qui n'empêche pas, des fois, de refaire doucement. Même si vous êtes en plein rodage, que vous avez fait, par exemple, 4 fois ou je ne sais pas combien de fois, hyper rapidement, vous croyez, oh là là, où ça commence là. Et puis, vous dites, ça a la sagesse, vous dites, oh,
Ah non, là quand même. Ça fait plusieurs fois que je fais la même erreur dans la rapidité. Bon, je vais essayer de le faire doucement. Une, deux, trois fois peut-être, le temps qu'il faudra. Et puis reprendre la vitesse. Voilà. C'est ça aussi, être méthodique, alterner. Pousser la rapidité et dire stop. Pousser le ralenti. Voilà. Ça, c'est l'art des grands maîtres. Tout grand maître a du discernement. Tout grand maître a du discernement. Oui, c'est ça. Les maîtres ont du discernement. Tout grand maître a du discernement. Voilà. C'est bizarre. Prends la langue française alors. Alors ici. Ah là, je me suis aperçue que je traîne un peu sur ça. Ça fait plusieurs fois déjà. Bon, j'ai bien repéré. Ah, je vais faire tout doucement. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Voilà, je respire. Prendre le temps de respirer, d'être détendu, tout va bien. Oh, qu'est-ce que je me sens bien là? Fais-tu bien de respirer? Le ralenti, c'est génial parce qu'on peut prendre le temps de respirer, on peut prendre le temps de décortiquer les doigts, que les doigts sentent bien. Là, quand je prends le temps, voilà, peut respirer, peut sentir ce que font les doigts, c'est génial. Voilà, encore. Rapide, on n'a pas le temps de vraiment sentir. Ça aussi, c'est la technique et le lâcher prise. Arriver à sentir tout en étant dans la rapidité, c'est pas facile parce qu'on sent des trucs au fur et à mesure, mais on sent pas exactement chaque note. Ah ah, et les maîtres savent faire ça. Sentir exactement ce qu'ils font chaque note. Dans la rapidité, dans la vitesse. Oh, ça, c'est extraordinaire. Ah. Ah là là. Bien. Bien. On a acheté. Voilà, je lâche. Voilà. Je respire. Ah oui. Pourquoi je répète tout le temps je respire? Oui, je sais qu'il faut respirer. Quand on se dit à voix haute les choses, on prend conscience différemment. Parce qu'on entend. On ne se le dit pas juste dans la tête et ça part et on pense à autre chose. Non, on l'entend. Donc, le fait que vous entendiez, hop, quelques secondes après, vous percutez vraiment, vous dites « Ah oui, alors j'ai entendu ça, ça aide. » C'est très intéressant comme exercice. Thank you.
petit peu plus loin, je vois que je ne fais pas les liaisons. Voilà, il y a certaines liaisons que j'oublie, il y en a d'autres, on n'a rien demandé, je fais des liaisons voilà, qui n'ont pas été demandées. Voilà, et j'aimerais peaufiner ça. Yeah. J'avais mis une liaison. Oui, mais je la vois pas. Alors oui, quand on fait du crayon à papier, des fois, on voit pas les notes. C'est bête. Alors, soit vous appuyez un peu plus avec le crayon à papier, soit n'hésitez pas à mettre des couleurs et mettre du stylo quand c'est des photocopies. Oui, parce que bon, c'est sûr que c'est plus délicat quand c'est des partitions très chic et que vous avez toutes les études à la suite et que c'est un véritable livre. Bon, c'est plus délicat, vaut mieux faire au crayon tout doux, qu'on puisse gommer et tout ça. Quand c'est des feuilles comme ça, des photocopies, c'est très chouette. Vous pouvez bien appuyer, vous pouvez mettre des couleurs, vous pouvez même entourer, vous pouvez mettre des petites fleurs, ce que vous voulez. Mais au moins, voilà, vous apprivoisez, vous savez exactement ce qui se passe. Je respire, là il n'y a pas de reprise, mais je veux faire un rodage. Je veux continuer, mais là je sens que mon coude bloque parce que je sens des raideurs. Je lâche. Et maintenant, je recommence. Je me suis aperçue que je m'étais un petit peu précipitée, j'étais partie dans un rythme beaucoup plus rapide que précédemment. Et je me dis, est-ce que je le voulais vraiment? Ça, c'est important de savoir si on veut vraiment ça. Non, c'était pas prévu en fait. J'aimerais bien faire du ralenti encore un peu. D'écouter le son aussi. Maîtriser ça. Je peux le refaire encore plus lentement. Hein. Ah, c'est intéressant hein, quand on veut faire plus lentement, souvent il y a encore plus d'erreurs. C'est étrange, n'est-ce pas? Et oui, parce que la maîtrise vient de la lenteur. Mais qu'est-ce qu'on entend? Mais non! Et il y en a qui prétendent que là, ils font les ni-ni-ni-ni, ils croient des virtuoses. C'est pas en faisant toujours ni-ni-ni-ni, ça peut être sublime quand c'est maîtrisé, justement. Mais la maîtrise vient de la lenteur. Vous savez, si vous maîtrisez quelque chose, si vous arrivez à le faire le plus lentement possible. Ah ah! Retenez ça!
que déjà, la maîtrise de l'archet est, est différente, là. Quand vous faites tout doucement, si vous allez au taquet, ta-ta-ta-ta-ta, des fois, c'est plus simple, en fait, d'aller au taquet que de faire tout doucement et avoir un joli son tout doucement, respirer en même temps. Déjà, rien que ça. Tout doucement, joli son, respirer. Eh bah, ben, essayez de faire ça vraiment en conscience. Ah ah! Eh ben là, ça va changer les choses. Vous allez vous dire, ah oui, en fait, il y a un petit problème. C'est normal. C'est tout à fait normal. Voilà, déjà la première note, j'ai voulu aller doucement, c'était pas juste. Ah oui, de temps en temps, vérifier la corde, l'accordement, l'accordage. Et vérifier aussi ça, c'est intéressant, parce que des fois, ça vient de l'instrument, en effet, qui n'est plus bien accordé, parce que voilà, il varie aussi. Et des fois, c'est à force de faire un même morceau, on n'entend plus, on n'écoute plus. Et c'est normal ça aussi, parce qu'en fait, il y a tout qui sature à l'intérieur. Et vous avez le droit en fait, c'est normal, vous êtes humain. Donc quand il y a tout qui sature, c'est pas que vous êtes nul en fait, c'est juste que vous avez besoin de repos, de lâcher prise. Après ça, ça varie, vous pouvez faire 5 minutes, une demi-heure, même des fois 3 heures, ça fait du bien, ça dépend de chacun. Ça dépend du point où vous en êtes et ce qui s'est passé, des circonstances, prendre les circonstances en fait. On compte toutes les circonstances, voilà ce qui s'est passé, vous respirez, en fonction de ça, voilà, vous mettez le timing qu'il faut de repos, et vous reprenez tranquillement, voilà, vous accordez bien, et vous êtes plus frais pour écouter à nouveau, voilà. Donc là, bon, bah, c'est peut-être le moment en fait d'arrêter, voilà.